Salut à tous, on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle série entre guillemets, donc je ne sais pas comment je vais l'appeler, peut-être Ice Mode ou Dark Mode, donc une petite info dont je viens de vous donner. Donc tout simplement, chaque semaine, je vous présenterai un de mes modes préférés, que ce soit en PvP, en aventure et tout. Pour ce début, j'ai choisi Lucky Block, donc, qui est un mode de jeu, qui est un mode assez sympa, donc vous verrez. Ça fait référence à Mario. Donc j'ai construit aussi un petit, dans un mode solo, j'ai construit un petit, comment on peut appeler ça? Les trucs de cherche, de recherche là, des trucs de savant fou, les labos, un petit labo, un petit laboratoire que je remplirai au fur et à mesure des modes. Bon, bien sûr, je laisserai pas installer les mods à chaque fois, mais par exemple, si j'ai besoin d'une table de craft et tout, bah, je placerai en petit. Et ça ferait une petite maison à la fin, ça fera assez sympa. Donc j'ai construit un petit peu avec mon architecture à moi, parce que je suis très très bon en architecture. Bref, donc on va commencer. On va commencer. Donc déjà on va commencer à se mettre en game mode 0 puisqu'on peut pas casser sans le game mode 0. Donc on va commencer, en fait il y a trois types de blocs. Donc bien sûr dans le mode mince, comment on appelle ça, survie, j'en étais sûr. Dans le mode survie, on ne voit pas les petites barres de Lucky ou pas. Qui c'est qui s'amuse? Arrête de t'amuser avec mon labo. On voit pas si ça c'est cool ou ça c'est pas cool. En fait ça c'est comme ça quand vous êtes en mode survival, donc vous ne verrez pas. Ça peut se casser à la main, ça se trouve un peu partout, donc on va commencer par les very lucky. Donc je vais vous montrer surtout ce qu'on peut avoir. Donc avec les very lucky on peut avoir, voilà, donc des petits sauts assez sympas. Bâtonnets par exemple, on va se mettre en game mode et Avast qui m'énerve, voilà. Et on va mettre des petits, mince, oh, je me gourre dans mes touches. Ah mais punaise, chest, voilà. Donc on va commencer à mettre quelques petits chests, hein, que je mettrai quelques petits panneaux, hein. Hop 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 hop. C'est parfait. Qu'on remplira un petit peu tout. Enfin, je le mettrai là, celui de Lucky Block. Pour l'instant, on va y placer ici. Hop, ensuite. Pardon, c'est la petite préparation du début. Ensuite, les Lucky normal. Donc, on ne sait pas si ça va être bien ou pas bien. Donc, attention. Ah, donc là, c'est pas mal. Bah là, on a que du stuff en or, donc c'est cool. Ensuite, passons au Lucky moins 40, moins 80. Je le sens mal. Voilà. Ouais, t'es sûr. Ouf. Il a un peu brûlé. Un petit peu brûlé mes alentours. Ensuite, en cool, on peut avoir. What? Ok. Est-ce que j'ai déterminé tout cela? Super. Donc on peut avoir des ânes, des chevaux un petit peu désossés. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Hein. Bon, comme ça au moins on a besoin de chercher de poneys. C'est des petits poneys. Voilà. Ensuite. Donc comme vous le voyez, j'ai ça et j'ai au cas où des blast protection parce que je sais qu'on peut se faire exploser la tête. En normal, on peut. What? What? J'ai eu quelques petits freeze. Donc on peut avoir des laines de multiples couleurs pour faire une petite maison. Wow, pour faire une petite maison assez sympa. Voilà. Bravo. Hop, donc on va acheter tout ça qui nous sert strictement à rien. Par contre, on va prendre un petit peu de food. Food.
Mince. Cookette Pork Shop. Non, c'était pas ça. C'était toujours pas ça. C'était 64. Voilà, et on va se mettre un petit occupé. Parce que j'avais oublié. Je suis désolé, c'est les débuts, hein. Faut que je fasse de petites stratégies pour pas que ces petites choses arrivent. Voilà. Donc ensuite, on va repasser au Lucky Méchant. Oh, tout, 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 tout. Il y en a combien? Il y en a combien? Oh la vache. Voilà. Ah, ça c'est vraiment hard ça. Peut-être dû mettre du protection plutôt. Oh la vache. Oh, il y en a combien qui ont pop quoi, sérieux? Attendez, slash 7. Time 7D ou 7 time D? Non. Slash time 7D. Voilà. Brûler l'île de l'enfer. Donc voilà ce qui peut arriver, hein. Putain, mais il y en avait combien franchement? Meurez tous, meurez, ouais d'accord. C'est totalement français, c'est pas grave. Pouh, ce bordel. Oh là, je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait, hein. Du coup, on va prendre des Golden Apple Cheetah. Voilà. Slash Game Mode 0. Hop. Pouf, et ben. Donc, on peut avoir des zombies, un peu. Qui font très très mal, autant se le dire. Ensuite, en lucky, enfin en chance, on peut avoir des outils en fer, classique, hein, qui peut toujours servir. Donc je sais pas combien de temps la vidéo fera, mais en tout cas je ferai pas tout. Je m'arrêterai à partir de cela, je pense. Ensuite, les normales. Oh, un petit arc assez sympa. Lucky Bow, Unbreaking, Power. Oh là, oui, il est pas mal celui-là. Il est pas mal du tout même. Ensuite, alors là, on va faire gaffe. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai regardé en haut. Bon, on va se mettre en game mode pour détruire ceci. Ah, c'était. J'ai eu peur sur le coup. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va. Je suis en train de ravager le décor. Ah, ça m'énerve. Je construis à côté. Mieux je m'organise pour le prochain, mais bon, enfin pour les prochains, voilà, vous m'avez compris. Voilà, donc ensuite hop hop hop, donc encore le lucky, donc on peut avoir une épée en or, lucky sword avec char, ouais, d'accord, l'épée de cheaté quoi, c'est assez sympa. Le normal des sceaux, voilà, classique encore. Et les mauvais. What? The fuck? What? Je crois que comment il a fait pour popper lui? Je sais pas si ça existait, moi les géants. Et les derniers. Donc pour les bons, on peut tomber encore sur le Lucky Bow. Donc c'est à peu près pareil pour les normaux. Pour les bons. Oh! Ça c'est cool ça. Donc pour les normaux. On peut tomber sur pas mal de minerais. Et sur le mauvais, faisons attention. Ça va, j'ai eu le temps de glitcher, sinon je serais un peu foutu, hein. Non! Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. Voilà, donc c'est ce qu'on peut avoir, hein. C'est un peu spécial pour les trucs mauvais, hein. Enfin, c'est assez sadique, hein, quand même, je trouve. Qu'un coup on suffoque, un coup on. Oui, enfin non. En fait, on peut suffoquer avec de l'eau, on peut suffoquer avec. Avec.
avec des enclumes qui nous tombent sur la tête. On peut avoir des lucky bow. Donc en fait voilà, donc dans la map en fait c'est totalement aléatoire, donc je sais pas si on va en trouver un. Pas l'air d'en avoir. En fait c'est un, c'est quand même assez rare hein, je trouve, les lucky blocks. Même si je sais que dans une partie j'en avais trouvé pas mal d'affilée. Mais c'est quand même assez aléatoire. Bon, et eh ben écoutez, c'est un petit mode assez sympa. Donc lucky block, je répète, vous en trouvez un peu partout dans la map. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Vous avez, on va dire, 50% de chance d'avoir un malus et 50% de chance d'avoir un bonus. Donc les malus sont quand même assez hard et les bonus sont quand même assez gratifiants. Voilà. Donc on va retourner dans la petite maison. Tranquille. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous éclaircir sur certains modes ou de vous faire découvrir des modes que j'aime bien tout particulièrement. Que vous pourrez mettre. Donc j'ai pas précisé, mais ça c'est surtout pour de l'aventure, hein, c'est pas pour du PVP. Sauf si vous mettez ça sur un serveur PVP, du coup ça pourrait un petit peu changer la donne. Par exemple, s'il y en a un qui est en mauvaise posture, qui voit un lucky block, il y a quelqu'un qui lui fonce dessus, qui a une épée cheatée ou un arc cheaté, ça peut lui sauver la vie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce mode. Donc je répète, c'est le mode Lucky Block, mais de toute façon, il est toujours dans la description. Je ne sais pas comment j'appellerai la série, Ice Mode ou Dark Mode, je verrai. Bref, donc, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.